c'est peut-être une des salles les plus radicales, qui est évidemment, qui semble être attendue, puisque il y a le thème de la rayure qu'on connaît bien pour ses chaussettes ou ses pulls, mais des rayures qui sont évidemment peintes à la main, hein, de façon très, je dirais très très rapide, presque, je dirais de manière brutale, selon des couleurs très acides. Ces couleurs, en fait, elles sont reprises ou inspirées par les tableaux de Picasso qui sont dans cette salle, c'est-à-dire une série de portraits de femmes des années 30. Sa vision est souvent teintée de beaucoup d'humour aussi et d'une forme de distance et de légèreté. Et nous souhaitions effectivement montrer de façon un peu neuve, un peu décalée, avec peut-être moins de sacralisation, l'œuvre de Picasso. À l'heure où il y a beaucoup de débats autour de Picasso, mais je dirais même autour du musée en général. Alors Picasso, c'est sans doute l'une des figures les plus connues et les plus importantes de l'art moderne. L'inventeur du cubisme, celui qui a initié une forme de retour à la figuration dans les années 20, mais aussi qui a été un des acteurs importants du surréalisme, et surtout celui qui a, à partir du cubisme, créer sa propre figuration. Je crois que tout le monde connaît ces visages, notamment ces visages de femmes où on voit à la fois le profil et la face. L'homme Picasso est souvent, enfin aujourd'hui en tout cas, est mis en accusation dans son rapport avec les femmes surtout. Et ces débats, nous avons choisi de les accueillir au musée Picasso. Nous avons choisi de les discuter nous organisons tous les mois un séminaire en invitant des historiens d'art, des psychiatres, des chercheurs, des artistes pour débattre sur ces questions avec des étudiants et le personnel du musée.
Cet accrochage, pour moi, est assez exemplaire de la posture actuelle du musée, puisque dans le parcours, vous verrez également des œuvres d'artistes contemporains, comme par exemple Michelene Thomas, qui est cette artiste new-yorkaise qui est très engagée pour la cause LGBT et la cause des Black Lives Matter, et donc qui fait une proposition de dialogue avec Picasso à partir notamment des œuvres qui ont été faites à la suite de Guernica.